Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo. Comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao! Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant que la vidéo commence, je vais vous parler d'un super plan. Figurez-vous qu'il y a quelques mois, j'ai suivi un pronostiqueur sportif au hasard. Et bien figurez-vous qu'il m'a fait encaisser, mais grave. Il s'appelle Sully Prono, je vous mets le lien dans la description de son Snapchat. On va pas parler longtemps, mais je peux vous garantir que c'est du safe et c'est du lourd. Là les gars, ça fait 15 jours qu'il a pas fait une seule erreur, donc rajoutez-le sur Snapchat et allez vérifier par vous-même si vous me croyez pas. Sully Prono, pour arrondir vos fins de mois, c'est vraiment le top et j'exagère pas. Donc allez le suivre, ciao ciao. Je fais quoi? Je reçois une insulte à Daronne. Vas-y, je vais sonner, je vais insulter ta mère là. Non, je vais sonner. Salut Internet, c'est Kamov. Comment t'en vas aujourd'hui? Franchement, je vous dis la vérité. J'ai eu la flemme de lever le trépied, tout ça, de mettre debout. Je fais l'intro assis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez que quand on est youtubeur, on a tendance à recevoir beaucoup de messages de soutien, certes. Mais il y a aussi beaucoup de messages de gens haineux. Et les haters, qu'est-ce qu'ils font? Il t'insulte. Ouais, Kamov, nanani, Kamov, le jour où je te vois, Kamov, arrête tes vidéos, va travailler. Vous nous avez gavé. Donc bref, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai choisi un mec qui était dans les alentours, tu vois. Un mec, il m'a envoyé des messages. Frérot, il m'a envoyé des messages. Ouais, Kamov, si je te vois, nanani, et je t'ai ta mère, et je t'ai ici, je nique ça, bref, la totale. Ouais Kamov, cette vidéo, je te l'envoie en direct pour que tu saches que tes vidéos c'est fake, c'est de la... Là, ta communauté et tout, genre, ils croient à des trucs qui sont faux. Voilà, t'es un gros mytho, t'es un fils de... Voilà, s'il y a un problème. Moi, je t'attends, je suis sur Marseille, je zone souvent, je traîne là-bas. S'il y a un problème, on se réglera là-bas. Allez, ciao, Baltrain. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Ce mec m'a envoyé ça depuis son compte Instagram, pensant que j'allais pas le voir et pensant que j'allais jamais faire de recherche. J'ai fait mes recherches et je suis tombé sur son profil Facebook. Sur son profil Facebook, il y avait son nom et prénom. Je suis allé donc sur page blanche et j'ai tapé son nom et son prénom pour voir où il habitait. Il y avait plusieurs personnes, d'accord. J'ai appelé plusieurs numéros pour demander s'il y avait un chez cette personne. Et à chaque fois, qu'on me disait non, ça veut dire que c'était pas chez lui. Et devinez quoi? J'ai appelé, j'ai fait plusieurs numéros et à l'avant-dernier numéro que j'ai appelé, il y avait qui correspondait au qui m'a insulté sur Instagram. Donc grâce à ça, j'ai pu trouver l'adresse, ça m'a confirmé qu'il habitait là-bas et je m'y suis rendu pour lui mettre un petit coup de pression et pour voir s'il assumait ses propos en face de moi tel qu'il les disait sur Instagram. Voilà. J'invite personne à refaire ce que j'ai fait, c'était vraiment pour rigoler, on n'y a fait aucun mal, mais vous allez voir que sa réaction est très surprenante et que derrière un écran, les gens sont différents de quand ils sont en face de vous. Voilà. Bonne vidéo à tous et j'espère qu'elle vous plaira. Ciao. Bon là les gars, on est devant chez le haters apparemment. Il sait pas qu'on est là. Hein. Je vais aller sonner chez lui et on va voir sa réaction. On va voir quand il va sortir. Allez, c'est parti. Allez la sonnette. Bon là je viens de sonner, on va voir quand il sort. Je vais essayer de ne pas me montrer parce que sinon il risque de pas sortir. Bon là je suis caché, on attend. J'espère qu'il est là. Il est sorti je crois. Je crois qu'il est sorti. Ça va mec? Ça va, qu'est-ce que tu fais ici? Bah rien, j'étais là dans le coin. Oh gros, je te suis, je peux prendre une photo avec toi? Ouais, si tu veux. Tu veux prendre le temps? Ouais, si tu veux. Je m'attendais pas à ça en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben. Voilà! T'habites là? Ouais, bah ouais. Ah d'accord. Mais c'est pas toi qui faisais des vidéos sur Instagram, tu m'envoyais des vidéos en me disant ouais, Kamov, tu fais du fake, je sais pas quoi. Si je te vois en vrai. J'aime trop ce que tu fais. Frérot, regarde, il y a une vidéo, j'ai vu une capture d'écran. Regarde, sur la capture là, c'est toi? C'est toi frère, c'est ton visage, mais passe pas toi, c'est ton compte Instagram ça ou pas? Mais non, j'ai un frère, c'est mon frère à mon avis, j'ai un frère jumeau qui a une chaîne YouTube. Vas-y, appelle-le ton frère.
Mais là, il est pas à la maison, là. Frérot, tu vois, frère, tu as des signes reconnaissables, c'est toi. C'est la photo, ne me dis pas, c'est pas toi. Putain, mais jamais de la vie, gros. Moi, je te suis depuis le début et tout. Les premiers pranks et tout, moi. Je kiffe de ouf ce que tu fais. Pourquoi t'assumes pas, frère? Maintenant, dis-moi que tu vas me niquer ma mère. Vas-y, vas-y. Nique-moi maintenant. Jamais de la vie. Mais vas-y. Nique-moi maintenant. Mais non. Pourquoi non? Mais comment tu as trouvé pour aller chez moi et tout? De ton compte Instagram, je suis remonté à ton compte Facebook. Sur ton compte Facebook, il y a ton nom et ton prénom. J'ai recherché sur page blanche. Page blanche, j'ai trouvé ton adresse. Il y en avait plusieurs, j'ai appelé. J'ai demandé ton prénom, donc j'ai demandé. J'ai appelé, j'ai. Mais on m'a dit oui, je savais que c'était ici. Je viens ici, je sais que tu n'as pas de frère jumeau, frère. Sinon, ça se verrait sur les comptes. Je sais que tu es fils unique. Donc, tu fais avant vous. Assume. Pour trouver chez moi, tu es allé loin. Il y a plein de gens, ils font des vidéos. Ouais, mais gros, tu insultes ma mère. Je suis devant chez moi, tranquille. Et alors? Tranquille, gros. Mais non, pas tranquille, frère. On fait quoi maintenant? Ça, c'est des. Tu vois, tu insultes ma mère, frère. C'est des vidéos, gros. J'en ai rien à foutre. On voulait faire du buzz, tu vois. Ah, donc c'est toi, c'est bien toi. Y'a rien. Assume. C'est toi, je vais te balayer, frère. Ça va, je suis désolé, gros. C'est toi ou pas? C'est une vidéo. C'est toi. Donc toi, tu insultes ma mère, tu insultes ma famille sur les réseaux. Insulte ma mère. Je m'en bats les couilles, moi j'ai du respect, je vais pas insulter ta mère. Mais toi, tu insultes ma famille sur les réseaux. Et après, quand je suis là, tu me dis, ah, c'était pour faire du buzz. Mais est-ce que. Il faut faire. On essaie tous de faire des vidéos et ça marchait, j'ai vu que ça marchait. Les gens, ils me disaient, ah ouais, et tout, j'avais des messages. Non, y avait pas de message, y'a rien, tu m'as envoyé en privé cette vidéo. Arrête mon boucané, frère, tu es en train de me rendre fou. Dis-moi, je fais quoi? Je balance ton adresse à tout le monde? Non. Je fais quoi? Je balance ton adresse? J'ai ton adresse, j'ai tout. Je balance ton adresse aux gens alors? Mais non. Alors on fait quoi? Trouve-moi une solution, frérot. C'est rien, gros. Tu sais rien, c'est bien bon d'insulter, maintenant trouve-moi une solution. Tu es venu jusqu'à devant chez moi? Ouais, je viens devant chez toi, et alors? C'est bon, c'est fini. Ah, c'est fini, ça y est, je suis venu, ça y est, tu me sers la main, je m'en vais. Et tu veux faire quoi? Je fais quoi? Je sonne, j'insulte ta daronne. Non, non. Vas-y, je vais sonner, je vais insulter ta mère là. Toi aussi, alors. Non, je vais sonner. Mais tu habites avec tes parents? Vas-y, je suis. Vas-y, y'a ta mère. Non, y'a des gars. Ah, y'a personne. Y'a personne. Bah, on va voir s'il y a personne. Bon. Vas-y. Allez, c'est bon. Eh ouais, ça te plaît? Ça te plaît? Je fais quoi? Je manque de respect à ta mère, moi. Tranquille. Je connais ma daronne, toi? Tu connais ma famille? Non, je connais personne. Alors pourquoi tu insultes? Je t'ai dit, c'est bon, c'est fini, je suis désolé. Eh, c'est fini? Bah, t'as ton adresse, gros, elle va tourner. T'as quel âge, frérot? J'ai 23 ans. 23 ans? Ouais. Donc, on est deux hommes. Mais je comprends. C'est quoi la solution? Vas-y, explique-moi. Ouais. Comment on fait pour arranger ça, là? Moi qui te suis. Non, tu me suis pas, t'es un hater. Non, mais tu me fais une vidéo, tu me fais quoi? Si tu voulais me frapper, pourquoi tu me frappes pas? Je comprends pas. C'est bon, c'est un peu facile. C'est même facile d'insulter les gens. C'est comme si je prenais un couteau, tu as vu? Je te mets un coup là, je le retire, je dis ah désolé. Et tu me dis ouais, ça va, c'est pas grave. Tu crois que les excuses, ça enlève la douleur des gens? Ça enlève le mal que tu fais? Les excuses, non. Tu es désolé? Ouais, bien, c'est bien, tu es désolé. Bravo. Donc écoute ce qu'on va faire. Je vais prendre ton adresse. Je vais la balancer sur les réseaux. Non. Et dans une semaine, je pense que tu déménages. Toi et ta mère. Et je l'ai pas insulté, je suis gentil. Hein? On fait comme ça? Mais et tu fais quoi? Tu fais une. Comment les gens ils vont savoir? Tu tournes une vidéo, il y a des gens là qui filment, il y a quelque chose. Qui vont voir où j'habite? Là, il y a une caméra, ouais, déjà. Il y a une caméra qui est en train de te filmer, je te dirai pas. Il y a une caméra qui est en train de te filmer. Je vais te dénoncer. Voilà, c'est tout. C'est bon? Mais c'est rien. T'as ta photo, tu es content? Ça y est, je me suis déplacé, tu es content? Tu as vu Kamoff en vrai, ça y est, c'est bon? Bon, regarde, poto, je te souhaite bonne chance avec ta famille. Et commence déjà sur le bon coin, tu cherches un peu les annonces là. Les locations. C'est n'importe quoi. Ça. C'est n'importe quoi. Eh ben alors vas-y, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait alors? On fait quoi? Mais j'en sais rien, c'est quoi? Je sais pas, mais moi jamais de la vie, on mettra mon adresse, on mettra ma famille en danger. Non, d'accord. Jamais de la vie. D'accord. C'est bon, j'ai fait des choses pas bien, mais ça va. D'accord. Alors écoute, écoute ce qu'on va faire. Tu regardes mes vidéos, tu me connais. Oui, je t'ai dit, en plus, je te connais. D'accord. Donc tu sais que là, c'est soit je mets ton adresse, soit on trouve un arrangement. Mais c'est quoi ton arrangement? J'adore ça. Tu connais, tu vois ce sourire, tu le connais. Tu sais ce que ça veut dire ça, quand j'ai ce sourire là. Tu sais que ça veut dire qu'on peut trouver un arrangement. Tu veux trouver un arrangement? Oui. Alors on va trouver un arrangement. Bon les amis, on est en train de. On a eu un petit problème technique, c'est pour ça que c'est nuit. Oh ça tourne. Mais on est avec notre. Oh mais ça tourne. Oh n'allez pas plus vite s'il vous plaît. Bon alors, est-ce que tu regrettes? Oui. Oui. C'est vrai? Oh là là là. Mais mets pas mon adresse, je m'en fous de ça. Ah putain. Oh, je me sens partir. Mec, où tu vas? Est-ce que tu insulteras encore ma daronne? Oh non, jamais. Est-ce que tu insulteras encore ma daronne? Jamais, Est-ce que tu vas mettre des gemmes? Est-ce que tu vas mettre des gemmes dans cette vidéo? Oui, je demande à ma mère de mettre des gemmes. Est-ce que tu vas t'abonner? Je m'abonne. Mais je suis abonné. Bon. Je suis abonné en plus. Je suis abonné, gros, je suis désolé. Tu regrettes? Oui. Chérie, vraiment? Oh, je vais mourir.
C'est qui le boss de YouTube? Kamoff. C'est qui Kamoff? C'est toi. Bien, frère. Mangro. Oui. On va voir si tu connais bien ma chaîne. Combien j'ai d'abonnés? J'ai 600 000. Non, faux, j'en ai plus. Ah, j'ai une réponse fausse, j'accélère. Oh putain. D'accord, combien j'ai de vidéos sur ma chaîne? 1 million. Non. Hey, comment ça t'es suivi? Il dit n'importe quoi, gros. J'en ai 200. Je te laisse une deuxième chance. Je vais vomir. Je te laisse une deuxième chance. Oh. Oui. Une deuxième chance, t'es prêt? Combien de millions de vues sur ma chaîne? Ok, c'est mon nom. C'est pas bon. C'est quoi mon Instagram? Si, tant que tu as une bonne réponse, je te libère. Kamoff. Non, faux. Tu devrais le connaître parce que tu m'as envoyé des vidéos. C'est quoi? J'accélère, hein. Coucou. Mais moi, j'ai dit. C'est quoi mon Instagram? Bon, c'est quoi mon Snapchat? C'est Kamoff. Comment c'est écrit? C-A-M, tiré, du bas, O-F-F. Bon, on l'accorde, je sais tirer du milieu, mais vas-y, allez. On l'arrête? On l'arrête. Tu regardes vraiment? Oui, oui. Promis? Vraiment, vraiment, vraiment. Je donne pas ton adresse? Non, non. Okay. Oh. Allez. Libérons-le. Qu'est-ce qu'il fait? Eh oh, attends, tu fais pas mal, oh. Oh, ça va mec? Ça tourne. Mais oui, mais t'es attaché là, attends. Oh, 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 oh frère. Oh frérot. C'est bon. Où tu vas gros? Où tu vas? Où tu vas? Moi je crois qu'on va le laisser comme ça finalement. Hein? Tu vomis ou quoi? Ça va? Bah au moins tu pourras dire que tu es passé dans une de mes vidéos. Bah les amis voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est la première fois que je fais une outro avec un mec à côté de moi que j'ai piégé. Du coup je pense pas qu'il recommence à insulter. Il va vomir, je vous jure qu'il va vomir. Bref, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez aller sur la chaîne secondaire Kamoff TV qui s'affiche juste en bas. Et si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre un j'aime. Voilà les amis. Par contre, ne reproduisez pas ça chez vous. Moi, c'était vraiment pour vous divertir. Voilà.